Tiens, fais-moi répéter. Je t'assure, je m'en sors pas. Allons-y. Tiens, il est 9h. Lui... Oui, déjà tu récites, là. Il faut parler plus juste, tu comprends? Oui. La pendule sonne 17 fois et elle dit... Tiens, il est 9h. Mmh. Plus c'est naturel, plus c'est simple. Vas-y, attends, je refais les derniers coups de l'horloge. Ding, ding, ding... Vas-y. Tiens, il est 9h. Non, c'est pas ça. Tiens, il est 9h. Non. Tiens, il est 9h. Bon, écoute, à quoi ça sert de le dire 50 fois si c'est toujours le même ton? Tu récites. Sois naturel. Elle est joyeuse, heureuse de vivre. Elle est assise à côté de son mari qui lit son journal. Elle a faim. Ça va être l'heure de manger. Et elle est contente qu'il soit 9h. Alors elle dit... Tiens, il est 9h. Comme ça, tu vois, naturel. Tiens, il est 9h. Non, putain, il n'y a rien à faire, tu le récites. Je me rends pas compte. Mais c'est à chier, tu n'es pas naturel. Regarde ta montre. Non, regarde ta montre et dis... Attends, quelle heure il est? 7h20. Et dis, tiens, il est 7h20. Surprise, contente, naturel. Il est 7h20. Non, contente, pas affolée. Elle rate pas son train. Vas-y. Tiens, il est 7h20. Oui, bon, pas mal. Maintenant, reprends ton texte. Ding, ding, ding. Tiens, il est 9h. Non, il n'y a rien à faire. À assimiler cette intonation, tu t'en sortiras pas. Bon, enchaînons. L'huile de l'épicier du coin... Non, c'est l'inverse. L'huile de l'épicier d'en face est bien meilleure que l'huile de l'épicier du coin. Mais pourquoi tu récites? Tu te rends compte que tu récites? Pense à ce que tu dis. Pense au goût de cette huile de l'épicier qui t'a surprise. Elle était bonne, très bonne. Bien meilleure que l'huile de l'épicier d'en face... Et vois la gueule des deux épiciers. Celui du coin est gros et con, celui d'en face est raffiné, élégant, beau garçon. Pense et vas-y. L'huile de l'épicier du coin est bien meilleure que l'huile de l'épicier d'en face. Non, Marion, c'est pas ça. Tu l'as redit exactement de la même façon. Dépêche-toi, bon Dieu, la pièce fait 30 pages, on n'a pas fait de réplique. L'huile de l'épicier d'en face est bien meilleure que l'huile de l'épicier du coin. Non. L'huile de l'épicier d'en face est bien meilleure que l'huile de l'épicier du coin. Non. L'huile de l'épicier d'en face est bien meilleure que l'huile de l'épicier du coin. Non. Pourquoi tu cries? Je te dis de changer de ton, alors tu changes de ton. Pense à la gueule des deux épiciers. À leur différence. Souviens-toi du goût âcre de l'huile du gros con. Et de l'odeur et de la saveur de l'huile du raffiné du finot d'en face. Pense et vas-y. L'huile de l'épicier d'en face est bien meilleure que l'huile de l'épicier du coin. Merde, je te quitte, tu es nul. Tu n'y arriveras jamais. Je refuse de vivre avec une actrice qui est si mauvaise.